Tommy Tallarico Studios. Eh oui, my name is Cat, L4. Et aujourd'hui on se retrouve, donc salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo découverte. Regardez-moi ça, cette cinématique. Alors je la vois, ça mélange les extraits du jeu et les extraits du film dont est adapté le jeu. Parce qu'aujourd'hui on se retrouve avec Tomorrow Never Dies 007, hein, James Bond, le jeu sur PlayStation, hein, adapté du film du même nom. Et on va le découvrir aujourd'hui, je n'ai jamais joué à ce jeu. Donc aujourd'hui, eh ben, je vois cette cinématique en même temps que vous. Voilà. Enfin, en fait, c'est un peu con de dire ça parce que je fais cette vidéo bien avant que vous la regardiez. Bon, alors on va appuyer sur Start. C'est traduit en français, c'est déjà bien. Donc, moi, la seule chose dont je connais de ce jeu... Un petit tour dans les options, quand même. Ouais, c'est pas y rester trop longtemps, quand même, parce que... on sait jamais qu'il y ait une cinématique qu'on puisse pas passer, hein, ou ce genre de truc. Alors, utiliser l'arme, touche croix. Gadget carré, sélectionné avec la touche triangle, ça c'est pas commun. Regardez la cible avec la touche rond, s'accroupir, ça c'est important. Ah, pas chasser à gauche et à droite. Ok, bon allez, c'est parti. On va revenir en arrière, on va lancer la nouvelle partie tout de suite. Et on va se mettre en... C'est quoi le mode de standard? Ben là on sait pas, là vous voyez déjà, petit problème. Est-ce que agent c'est le mode facile ou est-ce que 007 c'est le mode dur? Bon, dans GoldenEye 007 c'était le mode ultime, hein, donc on va laisser en agent. Ah, pas mal! C'est le même menu de présentation que GoldenEye, regardez. Alors, je peux pas aller sur les autres. On voit les images, là, mais je ne peux aller qu'au poste frontière russe. Donc, bon, mais ok, hein. On va aller... Là, il y a encore un menu d'options, mais tant pis, on va cliquer sur suivant. Et on va y aller. Ouais, classifier... classé X! Classé secret. Bon, ben voilà, hein, MI6 en bas à droite de l'écran. Ça doit être le temps de chargement. Ou une cinématique, parce que c'est un peu... ça bave un petit peu. Les voix sont en français, écoutez. Les services du renseignement ont confirmé qu'une parabole extrêmement puissante y a été installée et est utilisée pour décoder la position de nos satellites GPS. Je suis pas sûr que ce soit la voix officielle de M, hein, dans les films. En tout cas, voilà, allez, on va passer à cinématique quand même. Oui, donc je découvre le jeu, hein, je n'y ai jamais joué. Les seules choses que je connais de ce jeu, c'est le level 1 de Marcus, en fait, qui remonte à 10 ans hein, maintenant. Et voilà, il avait fait le level 1 sur ce jeu, donc il montrait le tout début de jeu, mais je m'en rappelle plus trop, hein, donc voilà. Je sais même plus trop de quoi il parlait, si ce n'est que ça... Oh, pas mal, la modélisation du visage tout plat, regarde-moi ça. Et oui, c'est bien Pierce Brosnan, hein. Alors il y a peut-être des problèmes d'affichage, hein, vu qu'on joue sur émulateur. Oula, ça a l'air assez compliqué. Oui, il disait que ça... Voilà, ce que je me rappelle, c'est qu'il y a un mur invisible, déjà, ça commence bien. Regardez. Il disait que ça rappelait Siphon Filter, hein, dont je suis très fan. Donc, eh ben, on va voir. Hein. Là, j'ai l'impression que c'est un peu lent au niveau du FPS. J'aurais peut-être dû augmenter un petit peu le framerate. Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'on peut tirer sur les tonneaux pour les faire exploser? Comment on se met en vue sur... Ah, voilà, c'est avec la touche R1. Alors, les commandes sont inversées. Pour descendre, je dois appuyer sur la touche O, la touche fléchée. Comment on tire, déjà? On va essayer un petit peu... physique maxi. Ah bon? Ah voilà, c'est avec la touche... Oh voilà, si, voilà, on peut... Il y a quand même des explosions. Avec en plus un medikit caché à l'intérieur. Notre nombre de medikit est en bas à gauche, là, apparemment. Comment on recharge? Oh, la touche rond, c'est verrouillage automatique, regardez. Il a verrouillé les... Ah oui, il disait aussi qu'on pouvait y aller à la malin. Là, c'est pas évident de maintenir en même temps la touche rond et la touche... et la touche croix. Comment on recharge, s'il vous plaît? Là, c'est pour changer d'arme, hein, apparemment. Là c'est pour faire les pas chassés, hein, comme je vous l'avais montré tout à l'heure. C'est pour ça que ça rappelle un petit peu Siphon Filter et on peut le faire, ouais, fusil d'assaut pris. On peut le... C'est quoi la touche Select? Ça sert à rien. Et la touche Start, eh ben, ouais, audio continué. Bon allez, c'est parti. Oui, donc, il disait que ça rappelait Siphon Filter un petit peu d'ailleurs, vu que, ouais, GoldenEye, c'était un FPS, hein. Et ce jeu, ben, lui a succédé, hein, il est venu tout de suite après, même après le... Même bien avant, le monde ne suffit pas que je vous avais mis, que je vous avais déjà fait, hein, par Electronic Arts, et qui lui revenait à du FPS, voilà. Bon. Et là, ben, oh, la musique, c'est le thème de James Bond, là. Ben là, ils ont décidé de passer à un petit, de changer un petit peu par rapport au... Comment on... Je suis troublé parce que je sais pas comment on recharge en fait. Physique maxi. Non, ça doit pas être ça. Et comment on change d'arme, s'il vous plaît?
Ah putain, c'est con. Ah voilà, c'est avec les touches haut et bas là. On maintient la touche triangle. On dirait qu'il est figé. Regardez que l'écran s'est mis en pause là, James Bond. Et ouais, on va garder le Walter PPK. Est-ce que je peux le... Voilà, j'entends des voix. J'ai l'impression... Trousse utilisée. Bah non, je voulais pas... Ah ok, d'accord, je comprends mieux. La touche carré, c'est pour faire un... J'ai utilisé deux trousses de soins alors que j'étais full PV. La touche rond pour ouvrir. Bah allons-y. Ah regardez, mes points de vie, ils chutent là. Je comprends pas trop pourquoi. Allez, 12 balles de fusil. Oh, il se tient le... Bah je vais prendre une... Je vais prendre ma dernière trousse de soins. Oh putain, ça va être catastrophique, franchement. Oui, vous voyez qu'il y a aussi un petit point caractéristique, c'est que... là, les caméras sont pas super bien placées quand on est en... Oh putain. Oh non, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je peux pas... J'appuie sur la touche carré frénétiquement, là, je comprends pas. Ah ben, en plus, je suis même pas mort. Ah non, c'est la touche croix, oh là là. Je fais vraiment que de la merde. Bon. Ah, je crois avoir compris. Regardez en haut à gauche de l'écran, en dessous de ma barre de vie qui est en vert, hein, et plus elle devient rouge et plus je suis dans la merde. Là, je me suis fait tuer, mais... parce que vous avez vu que la caméra s'est éloignée et on a entendu James Bond crier. Mais en fait, on était à x3, vous voyez le 007 là. Et là, maintenant, on est en x2, c'est notre nombre de vie apparemment. Bon, heureusement que j'ai compris ça assez tôt. Donc là, comme vous pouvez le constater, ben, l'un des autres points caractéristiques, c'est que quand la caméra est trop proche du personnage, et ben, ça Marcus en parlait aussi... La caméra passe au travers, vous voyez, du personnage, et elle se rapproche un petit peu. Mais bon, là, quand j'ai entré dans le bunker, là, ça avait pas l'air super, hein, les angles de caméra. Ouais, franchement, la touche carré, c'est pour... faut que je m'y fasse à ça, hein, parce que je suis habitué à tirer avec la touche carré. C'est, en fait, il recharge automatiquement, là, j'ai l'impression. Est-ce qu'on a les munitions illimitées pour le PPK? J'en sais rien. Bon, allez, on s'en fout, on va... Oh là, des méchants qui nous veulent beaucoup de mal. Ouais, je vous disais, c'est pas facile, en fait, là, de maintenir la touche rond. Pour faire un auto-lock, vous avez vu, il y a un curseur qui se positionne sur l'ennemi, mais c'est pas facile d'appuyer sur la touche rond et sur la touche X en même temps. Bon, allez, ramasse ça, James. Voilà, des balles de fusil. Donc, ben voilà, on va y aller. Oh, y a un sniper en haut, regardez, on va essayer de le shooter d'ici. Est-ce qu'on peut? Alors, on peut pas zoomer plus que ça, c'est un petit peu dommage. Peut-être avec d'autres... j'ai l'impression qu'il y a... j'ai l'impression que je me fais tirer dessus, là. Alors, apparemment, je peux pas la voir. Donc ouais, bah pour l'instant, écoutez, ça a l'air pas mal, hein, c'est juste un petit peu dommage de... ah oui, c'est vrai qu'il faut utiliser les pas chassés, je suis vraiment con, quoi. Parce qu'on peut le faire, vous voyez, c'est pas mal les j'ai l'impression qu'il y a des chutes de framerate, les animations... Enfin non, c'est pas les animations, qu'est-ce que je voulais dire? C'est pas mal, quoi? Oh là là, je sais même plus ce que je voulais dire, c'est vraiment une catastrophe, cette vidéo. Ouais, donc, ce qui est un peu con, je trouve, c'est qu'on a vraiment du mal à appuyer sur la touche rond, en même temps d'appuyer sur la touche croix, vu qu'elle est juste à côté. Ouais, mais il se tient encore l'épaule, là. Bon, lui, je vais aller le tuer. Putain, c'est pas évident, hein, franchement. Ouais, allez, je suis bloqué dans l'escalier. Ouais, quand la caméra est comme ça, ben, en fait, c'est vrai, je traverse carrément le décor. Bon, on s'en fout, on est sur PlayStation, hein, en même temps. Allez, prends sa fumée. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est pas mal la buée qu'il y a sur le... Bon, vous voyez les contours noirs dans le fond, là. C'est par balles léger. Voilà, excellent. Regardez, maintenant, j'ai une portion de ma jauge de vie en haut à gauche de l'écran qui est en bleu, là, vous voyez. C'est le gilet par balles. Ouais, vous voyez les contours noirs, là, sur les montagnes. Ça, c'est pas sur la console originale, hein. Ça vient vraiment de l'émulateur. Bon, j'aimerais vraiment trouver comment... est-ce que L4 va trouver comment recharger avant la fin de la vidéo? Oh putain, il y en a un là. Voilà, je l'avais pas vu, lui. Là, il s'est tourné un petit peu tout seul vers la gauche. Oh, voilà, heureusement qu'il m'a donné un Medipack. Il s'est tourné un petit peu tout seul vers la gauche, j'ai pas trop compris pourquoi. Oui, il faut utiliser ses pas chassés, hein, voilà. À la Siphon Filter, et on peut le faire en même temps de ce... Putain, j'appuie toujours sur la touche carré pour tirer, c'est horrible, ça. J'ai trop l'habitude, hein, avec les consoles actuelles. Oui, c'est ce que je voulais. On va peut-être changer d'arme, vous savez quoi. C'est la touche triangle, on maintient enfoncé. Et voilà, on passe, surtout que là j'en ai 200. Donc c'est pas trop mal. Bon, faut voir le zoom. Ah ouais, là j'ai l'impression qu'il est un peu mieux. Je vais essayer de les avoir de là. On n'a pas de sniper, c'est dommage. Oh putain, ça les a alertés, mais j'ai pas réussi à me les faire comme ça. Ouais, là il a verrouillé l'ennemi qui était plus loin, au lieu de verrouiller l'ennemi le plus proche. C'est un petit peu bizarre. Ouais, le système de visée, ça a pas l'air d'être ça, hein, quand même, franchement. Bon, mais on va... est-ce que j'ai une trousse de soins? Non, je vais pas tarder à me faire tuer, je pense. Voilà. J'espère qu'ils vont laisser tomber, hein. Putain, que c'est chiant quand on est coincé sur les... Ah, voilà, je suis mort. Bon, il me reste plus qu'une vie. Ou sauf s'il y a le x0. Putain, franchement, j'arrive pas à faire grand-chose, là, pour l'instant. Je suis un petit peu troublé, j'essaye de découvrir un petit peu le jeu. Voilà, c'est là l'entrée du bunker. On va essayer de se le faire, hein, celui qui m'a... Ah, il y a un gilet pare-balles, là, excellent. Voilà, nickel. En plus, c'est un lourd. Voilà, vous avez vu, celui de tout à l'heure, c'était un léger. Oh putain, qu'est-ce qui s'est passé, là? J'ai explosé le bidon derrière, alors que...
On le voyait pas à travers la fenêtre. Bon, ça, c'est des munitions, on va les ramasser. Ah, pour l'instant, j'aime bien. Puis il y a la musique depuis tout à l'heure, là, qui tourne un petit peu en boucle. Je me souviens plus du tout du level 1 de Marcus. En tout cas, est-ce que c'est fidèle au film? Eh ben, je me souviens que la toute première scène du film, c'était... En fait, on n'a pas besoin de maintenir la touche rond, hein, on y va comme ça et il vise tout seul, hein, j'ai envie de dire. On va ramasser les munitions, on va essayer d'aller voir là-dedans, là, parce que ça me semble bizarre, un endroit avec du grillage, là, où on peut pas... Il y a un ennemi, là, faut faire attention. Je vais essayer de me manier le cul de détruire ce bidon. Voilà, et on va y aller. C'est con que... Je sais pas, au niveau du rechargement, j'ai pas l'impression qu'on est pris au dépourvu, mais j'ai pas l'impression non plus qu'il y a une touche... Donc peut-être qu'il recharge automatiquement, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une touche pour recharger. Bon, alors, est-ce qu'il a laissé tomber des munitions? Ah, c'était vraiment excellent, quoi, à l'époque, sérieux, les gars qui laissaient tomber des objets, des medipacks, hein, etc. Par contre, c'est vrai que les déplacements latéraux, c'est pas ça, j'ai l'impression. Bon, oh, regardez, lui, il me tourne le dos. Comment ça se fait? Lui, il est con, il m'a même pas venu. Il m'a même pas vu venir. Bon, voilà, pare-balles léger et lourd, hein, comme tout à l'heure. Non, j'ai l'impression qu'il recharge automatiquement. Bon, mais c'est pas grave. Mais sur quoi je bute, là? Oh! Peut-être qu'on peut jouer au... Je comprends pas, là. Pourquoi je peux plus avancer? Bon, des petits problèmes au niveau du déplacement, hein, j'ai l'impression. J'ai pas l'impression qu'on puisse faire de roulade. Je vais essayer. Non, vous voyez, quand on appuie sur la touche rond, il fait un déplacement... Regardez, là, il fait un déplacement à 45 degrés. Je comprends pas trop pourquoi. Et là, il veut plus. Bon, ben, allez comprendre pourquoi. Moi, j'ai plus de trousse de soins. Regardez, en bas gauche de l'écran, je suis vraiment dans la merde. Encore si j'arrêtais de me tromper de touche, hein, aussi. Parce que c'est la touche carrée, hein, pour utiliser le Medipack, hein, encore une fois. Allez, prends ça fumier. Ouais, Marcus, il disait qu'on pouvait y aller soit à la bourrin, comme je fais depuis tout à l'heure, hein, soit en essayant d'y aller... En essayant d'y aller plus en infiltration. On pouvait faire les deux. On pouvait choisir. Ah, sniper, depuis quand j'ai eu ça, là? Bon, ben voilà, on va essayer d'y aller comme ça, hein. Est-ce que le gars va me capter? Je vais attendre qu'il passe. Ah, voilà, voilà. Oh non, je l'ai même pas tué! Truc de ouf! Alors que je lui ai tiré dans la tête. J'ai fait de mon mieux pour... Ouais, le PPK, il a un silencieux. C'est ce que je voulais voir. Bon, il est où l'autre? Est-ce qu'on peut mettre feu à ça, là? Ça a l'air d'être des réservoirs. Allez, une réaction chaîne. Oh, pas mal les effets de soleil, là, qu'il y a eu. Vous avez vu, là, l'espèce de... Attention! Mais pourtant, il me semblait qu'on pouvait faire une roulade, là. J'avais vu dans le level 1 de Marcus, non? Bon, lui, il me fait chier, là. Oh, les saccades de ouf, là. Je comprends pas trop, là. Bon, peut-être que ça vient de mon PC. Putain, c'est injouable, là. Oh, on va essayer de monter. Putain, c'est injouable, là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà, c'est mieux, là. Je sais pas si ça vient du jeu ou ça vient de mon PC, de la capture ou ce genre de conneries. C'est toujours le bordel, hein, quand on... au corps à corps, quoi. Bah alors, il est immortel, lui? Voilà. Oh, même pas. Ouais, il y a un truc dont je voulais vous parler, c'était quoi déjà? Oui, si c'est fidèle au film ou pas. Eh ben, en fait, j'ai déjà plus beaucoup de munitions. On va reprendre le PPK. Oui, en fait, la toute première scène du film de Demain ne meurt jamais, c'était que... Ouais, un Medipack, excellent. C'était que on commençait directement, en fait, dans une réunion de terroristes. En fait, c'est pas un... Ah, c'est des balles. Est-ce qu'on peut péter ce truc, là? Ouais, c'était une réunion de terroristes, en fait. Hein. Il y avait Henri Kupta, hein, ou ce... Asakura, là, ou je sais plus quoi, enfin, le japonais. Et, j'ai utilisé ma trousse, comme d'habitude. Et là, t'avais le Robinson qui nous parlait un petit peu, qui nous les présentait tous. Il y avait un gars du gouvernement américain, hein, qui était là. Et ils avaient volé un GPS américain, en fait, la réunion des terroristes. Comment on fait pour ouvrir cette porte, là? Là, eh ben, là, il y a l'air d'y avoir un panneau de commande. Donc, c'est la touche rond, hein, je crois. Désigner la parabole. Quoi? Pourquoi? Comment ça? Oh, elle est là, la parabole. Ben alors, comment ça, désigner la parabole? Je comprends pas. Il faut la détruire? Bon, ben écoutez, dommage, on n'a pas de grenade, là, pour l'instant. Écoutez, on va essayer de la... J'ai l'impression qu'il y a des impacts dessus, mais j'ai pas l'impression que ça fasse grand-chose, là. Vous voyez qu'il y a des impacts, hein, aussi, sur des impacts de balles. Ben alors, pourquoi désigner la parabole? Ça veut rien dire. Ben, je la montre du doigt, là, si tu veux, mais... Pourquoi désigner la parabole? Je comprends pas, là. Bah, attends, on va peut-être appuyer sur la touche rond devant la porte. Non, il se passe rien. Allez, on va être coincé. En plus, je sais pas du tout à combien on en est de minutes de vidéo. Ah, y a un truc à ramasser, là. Je vais détruire ce baril. Oh, excellent, comme quoi, vous voyez, c'est utile. Y a même des trousses de soins cachées dans des barils explosifs. C'est assez étonnant. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire, là, désigner la parabole? Bah, elle est là, la parabole. Et en plus, j'ai l'impression qu'elle tourne plus, là. Elle est en dysfonctionnement, là. Non, elle tourne quand même. Je comprends pas, là. Désigner la parabole, ben alors.
Ah, peut-être que j'ai un objet... Bah non, pourtant, c'est pas ça. Et c'est peut-être que j'ai un accessoire, objectif, fais voir. Viser parabole au laser, se procurer un pass, évacuer à ski. Ah, vous savez quoi, s'il faut, il y avait l'un des gars qui avait laissé tomber un pass, et ça se trouve, c'était pour ouvrir la porte, et ça se trouve, je l'ai raté. Et apparemment, bah, il va falloir chercher tout le niveau, revenir en arrière. C'était pas arrivé à Marcus, ça, il me semble, hein, je m'en rappelle plus trop. Voilà, il va falloir obtenir un pass sur l'un des soldats qu'on a tués pour pouvoir ouvrir la porte, je pense que c'est ça, parce que là, viser la parabole au laser, j'ai pas de laser. Donc, bon là, il n'y a rien apparemment. Oui, donc, ça commençait comme ça, hein, le film, et il y avait James Bond qui était en train de les filmer, hein, il envoyait les images au MI6, et en tout cas, il les observait, et après, ils se rendent compte que... Enfin, il y a l'Américain... Eh ben, je savais même pas qu'il y avait ces animations normales, en même temps je découvre le jeu. Ah, regardez là aussi. Je savais même pas qu'il y avait ce genre d'animation pendant qu'on touchait pas la manette. Oui, donc Snagit rebug, hein, comme TR3, Tomb Raider 3 et NBA Live, hein, 97. Je pense, faut faire attention, là, faut regarder partout sur le sol, voir si on trouve pas le pass. Je croyais avoir corrigé le problème en réinstallant le logiciel. Mais en fait, non, j'ai l'impression que c'est la PlayStation, en fait. S'il faut, il est là-dedans, là. Ça se trouve, oui, c'est ça se trouve, il est caché là-dedans, le pass. Oh, il y a le Golden... Ah non, c'est une vie. Incroyable. Voilà, c'est ça. Vie bonus. Et je suis à fois deux maintenant. Oh, il y en a un là. Enculé. D'où ils sortent, ceux-là? Hallucinant. Bon, on va laisser les faire. Oui, apparemment, c'est Snagit, hein, qui bug avec... L'ambiance sonore est vraiment excellente, quoi. Les musiques, vous avez entendu, hein, de toute façon, les bruitages, les cris des persos, c'est vraiment... ça a l'air vraiment excellent, hein, de ce point de vue-là. Il n'y a pas à chier. Non, après, c'est au niveau du gameplay. Je suis pas totalement convaincu. Oh, deux autres trousses de soins énormes, là. Oh, putain, on était dans la merde au début. Oh, putain, je l'ai même pas vu, lui. Ah, non. Il a lâché deux objets, donc j'ai cru qu'il avait lâché le pass, mais non. En fait, c'est des munitions pour fusil et pour... encore pour fusil. Bizarre. Pourtant, c'est la même représentation. Alors, est-ce qu'il y a rien dans ce camion? Est-ce qu'on peut péter le camion? Oui, en fait, j'ai l'impression que ça vient de la PlayStation, hein, en fait. Parce que... dans ma vidéo de Alien vs Predator, eh ben, ça avait pas bugué, donc c'est sur Super NES. Pourtant, j'utilise encore Snagit, hein, mais là, ça me fait toujours cette limite et cette coupure-là, donc il y a même un impact ici. Là. Bon, ben, on va essayer de continuer de chercher un petit peu, je suis désolé. C'est dommage, parce qu'après, il y a une espèce de phase avec un hélicoptère, là, qui... où est-ce que... Ah, c'est par là qu'il faut aller. Ouais, avec un hélicoptère qui arrive, et il y a des vagues d'ennemis ininterrompues, parce que je m'en souviens avec le level du Marcus, hein, encore une fois. Et il y avait une phase en ski, c'est dommage, on pourra pas y aller dans le même laps de temps, là. Bon, en tout cas, c'est dommage, ouais, parce qu'on en est à 20 minutes. Donc, je pense que je vais vous laisser là. Ouais, ben, que dire sur ce « Demain ne meurt jamais »,« Tomorrow never dies », hein, ben, cette adaptation en jeu vidéo. Ben, franchement, pas mal, hein, moi, j'aime bien. Ça peut... ben, vous savez quoi, ouais, franchement, moi, je suis assez satisfait par le jeu, hein. Mis à part quelques problèmes de caméra, de déplacement, avec ça et ça, c'est difficile à gérer, hein. Pourtant, dans Siphon Filter, j'ai aucun mal. Mais là, il y a des petits problèmes au niveau de la jouabilité de la caméra. Et là, au niveau des objectifs aussi, c'est pas très clair. Là, je sais pas trop ce que je dois faire. En tout cas, voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si c'est le cas, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les gars. On va continuer de détruire un petit peu les caisses pour voir si on trouve pas le pass par miracle. Allez, ciao les gars. Oula, c'est quoi ça? Un gilet, non? Voilà. Tiens, en fait, c'est moi qui m'y prends comme un pied, là. En fait, il faut fouiller partout, détruire tout. Et là, on n'a pas de problème, là. Voilà, on a plus d'objets qu'il n'en faut. Bon, là, on est revenu au tout début, hein, vous avez vu? Assez court, hein, on n'a pas parcouru une grande distance, hein, franchement. Oh là là, quel boulet, ce L4. Bon, allez, ciao, les gars. Ouais, la visée, ça prend un peu de temps, hein, aussi. La visée en vue subjective comme ça, là. Regardez, vous voyez là? J'ai pas compris. Oh, j'entends quelqu'un qui me tire dessus! Qu'est-ce que c'est? Ça vient d'où ça? Oh putain, enculé! Allez, donne-moi ton pass! C'est bizarre, hein, ces ennemis qui apparaissent de nulle part. Oui, donc je voulais vous dire que. Normalement, on reprend les vidéos PS3 le samedi qui va arriver là. Ce sera sur le dernier jeu que j'ai acheté récemment. Et. Parce que là, j'ai enchaîné plein de vidéos PlayStation, Super NES. Et je concocte aussi, je suis en plein montage d'une vidéo spéciale là, qui va peut-être arriver
à la fin de la semaine, donc je vous invite à guetter le profil, voilà, parce qu'elle va arriver en cours de semaine, ni un mercredi, ni un samedi, hein, encore une fois. Allez, à ciao les gars.